suis hyper content. Je trouve ça génial. On répare nous-mêmes et puis on apprend à faire tous ensemble, du coup c'est cool. Coucou, moi c'est Camille de Fix & Replace. On est un pôle d'Unipoly et on organise tous les premiers jeudis du mois des Repair Café pour promouvoir la réparabilité sur le campus. Un Repair Café, c'est quoi? C'est un événement où les gens qui ont des objets cassés, au lieu de les jeter, peuvent nous les apporter et on essaye de les réparer et aussi de leur apprendre à les réparer. On n'est pas le seul Repair Café dans la région, il y en a pas mal d'autres répertoriés par la FRC et c'est pour ça qu'on organise la journée romande des Repair Café pour se retrouver avec tous les autres Repair Café de la Suisse romande pour ce Repair Café XXL et partager nos connaissances. À Fix & Replace, on est vraiment dans cette démarche de transmission de savoir et d'apprentissage. On va encourager les gens à rester avec nous. Souvent, les gens sont bloqués par la peur de casser encore plus l'objet. Et le fait de nous avoir à leur côté, ça les aide à franchir ce palier et après, on espère à le transmettre à d'autres personnes. On répare vraiment de tout. Il y a toute la gamme de difficultés, que ce soit juste un ressort qui n'est pas au bon endroit ou un court-circuit. Et pour être sûr de couvrir un maximum de réparations, on fait souvent des collaborations avec d'autres associations comme l'Up Fashion Lab, qui fait les réparations textiles, et le Point Vélo, qui, comme le nom l'indique, fait les vélos. Donc moi, je suis venue faire réparer une lampe que j'aime beaucoup. Je me suis dit, plutôt que de la jeter, allez, on vient voir ce qu'il en est. Alors je trouve ça génial de voir deux personnes qui collaborent et la synergie des compétences. Ça, c'est une super machine à écrire qu'on a trouvé un jour et qui ne marchait pas, qu'on a essayé de réparer et donc ça a empiré, on l'a cassé en fait. Et donc on cherchait des gens compétents et avec de l'expérience pour venir nous aider. Et je pense que ça, c'est bien parti. Pour réparer un petit panneau électrique pour ma fille, hein. Je trouvais dommage de le jeter. Je suis hyper content. Ma fille le sera aussi. Moi, je suis venue aujourd'hui pour réparer plein de petits éléments de ma maison. J'ai un jean qui a un trou qui fait un peu vulgaire, donc on va mettre un patch dessous. J'avais mon poivrier qui ne marchait plus et puis du coup, on a fabriqué une petite rondelle avec des vis et puis le micro de mon casque qui ne marchait plus. Et puis du coup, voilà, on répare nous-mêmes et puis on apprend à faire tous ensemble, du coup, c'est cool. Donc si vous avez un objet cassé, n'hésitez pas à venir nous voir, on répare et il y a du café.